Gauche. Pour le premier rang. En avant. Marche. Donc pour un sapeur-pompier, c'est un grand honneur de pouvoir participer au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées pour représenter l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Donc les sapeurs-pompiers de France défilent sur les Champs-Élysées depuis 2008. C'est la première fois que la zone sud-ouest est choisie pour représenter les sapeurs-pompiers de France. Et à ce titre, donc, c'est la première fois que les sapeurs-pompiers de la Vienne peuvent participer au défilé du 14 juillet. Les sapeurs-pompiers n'ont pas l'habitude de défiler, donc il y a tout un apprentissage à acquérir. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'ailleurs des hommes de l'art, qui nous ont d'ailleurs très bien accueillis, qui nous encadrent avec compétence. Et je compte bien qu'on y arrive, en espérant que l'on puisse, que les sapeurs-pompiers de la Vienne puissent, au sein du bataillon sud-ouest, représenter dignement les sapeurs-pompiers de France. Et je suis très optimiste là-dessus, au vu du début de la préparation. Mettez-vous quelque chose dans la tête, allez, tous les 5-6 pas, un petit coup d'œil sur la gauche. Et vous verrez qu'après, c'est un automatisme. Vous aurez le regard qui ira de temps en temps sur la gauche pour voir si vous êtes aligné ou pas. À droite. Droite. Repos. On a des personnes qui ne connaissaient pas l'ordre serré quand ils sont arrivés. Et on leur fait, on leur apprend ce que nous on fait régulièrement au niveau de l'armée. Ce sont de bons élèves, ils écoutent bien ce qu'on leur dit. Ils corrigent quand on leur dit de corriger, ça va très bien. Et vous avez bon espoir qu'ils défilent comme des militaires ? Ah mais il n'y a pas de problème. Vous allez les voir sur les Champs-Élysées ? Je ne sais pas si je serai sur les Champs-Élysées, mais si je ne suis pas, je regarderai au niveau de la télé. Marquez pas !